Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le module Page Cache Ultimate version 8, ce qu'il va apporter à votre boutique, toutes ses fonctionnalités et surtout pourquoi cette version 8 va pulvériser tous les records de vitesse et par conséquent tous les modules concurrents. Alors je me présente, Jérôme, créateur du module Page Cache Ultimate, premier module à avoir proposé du cache de page complète sur PrestaShop, ça fait maintenant 8 ans. Alors à quoi ça sert? Ça va accélérer votre boutique en réduisant le TTFB, c'est-à-dire le temps de réponse de votre serveur. Alors comment ça marche? Il faut savoir qu'en temps normal, PrestaShop va générer les pages à chaque affichage de chaque visiteur. Pourtant, une page, c'est à peu près toujours le même contenu, à part le panier et puis d'autres petits blocs qui vont varier, mais en grosso modo, c'est toujours le même contenu. Donc le module va enregistrer les pages générées pour pouvoir les resservir plus rapidement aux autres utilisateurs ou au même utilisateur si elle revient sur la même page. Alors jusqu'à présent, jusqu'en version 7, on était tout de même obligé de charger le moteur PrestaShop pour connaître le contexte de chaque visiteur. Il faut en effet savoir dans quelle monnaie afficher les prix, ou quelles sont les taxes à appliquer en fonction de son pays, ou les réductions en fonction de ses groupes utilisateurs. Malgré tout, malgré le chargement de PrestaShop, on gagnait beaucoup de temps sur le TTFB qui était réduit puisqu'on n'avait plus la génération de la page et on n'avait plus chaque module à exécuter. Et c'est ce qui a fait la réussite du module, puisqu'on gagnait quand même beaucoup de temps. On va voir quelques chiffres dans quelques instants. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous présenter la version 8, parce qu'on n'a plus besoin de charger le moteur PrestaShop. Et vous allez voir les résultats, ça m'a moi-même bluffé, on gagne un temps incroyable, et là, on va voir ce que ça donne. Hein, on va aller voir, je vais vous prendre ma boutique comme exemple, et on va voir un petit peu les premiers chiffres que j'ai pu avoir. Alors je vous présente le nouveau tableau de bord du module avec ici un camembert qui va nous montrer la répartition d'utilisation des différents caches et à droite un diagramme qui va nous montrer le TTFB moyen de chaque cache. Alors on va commencer par le camembert. Je zoome un petit peu. Le premier chiffre que l'on peut voir ici, c'est le taux de réussite. Dans notre cas, 89,85% des affichages ont bénéficié d'un cache. Le reste se sont affichés comme d'habitude en temps normal sur PrestaShop, c'est-à-dire sans cache. Évidemment, plus on va aller vers du vert vif, mieux c'est. Donc en orange, ici on a 10%, le cache n'est pas disponible, il va donc être généré pour pouvoir être utilisé par le prochain visiteur. Et donc ici on a 18%. Les affichages se font avec le cache du serveur. On va voir juste après la vitesse de chaque cache. Ici, on voit donc version 8, dans 58% des cas, on va utiliser notre nouveau cache, le cache statique, qui ne va plus charger le moteur PrestaShop et qui va donc être beaucoup plus rapide. Enfin, quand un visiteur réaffiche une page, il utilise le cache navigateur. Et donc là, on est à 12,26% des cas. Je vous rappelle que Page Cache Ultimate est le seul module à proposer du cache navigateur. Ne vous trompez pas, le cache pour du CSS ou du JavaScript, c'est très simple à faire. Le cache pour du HTML, côté navigateur, c'est très compliqué. Et donc Page Cache Ultimate est le seul à le proposer. Alors voyons un petit peu maintenant comment, enfin, à quelle vitesse ça va. Donc, comme je me suis dit, les gens vont pas me croire, je me suis dit, je vais rajouter des statistiques et comme ça, on sera fixé. Et là, on a un graphique qui nous montre le TTFB réel, c'est-à-dire celui qui est mesuré par le navigateur de chaque visiteur. Donc parfois, vous aurez des trous dans le graphique, c'est parce que vous n'aurez pas eu de visite par rapport à ce cache-là, par exemple. Ici, c'est même une bonne nouvelle, puisqu'ici, on voit notre courbe du haut, c'est quand le cache n'est pas disponible. Et on voit que, par exemple, le 10, non, le 2 octobre, pardon, nous n'avons pas eu de visite d'affichage quand le cache n'était pas disponible. Et bien c'est très simple, ça veut dire qu'on a eu du 100% en taux de hit, en taux de réussite. Alors voyons un petit peu les rapports. Par exemple, là, on voit que quand mon cache n'est pas disponible, j'ai un TTFB à quasiment 2 secondes. 2 secondes, c'est plutôt lent, on essaye d'avoir quand même quelque chose d'inférieur à 1 seconde, c'est ce que recommande à peu près Google, mais même moins d'une seconde, ce serait bien. Et donc là, on voit cache du serveur 335 millisecondes et cache statique 285. Alors là, la différence n'est pas flagrante, on va la voir un petit peu, ça va dépendre des jours, hein. Si on fait une moyenne, on va dire que, parce que là, on voit
On est aux alentours d'une seconde 5 pour le TTFB quand je n'ai pas de cache. Et quand on est en cache serveur, on est à peu près dans une moyenne de 500 millisecondes. Hein, si on regarde si on fait une ligne moyenne, on est à peu près à 500 millisecondes. Et par contre, si on est en cache statique, là, on voit qu'on est quand même en dessous des 200, on dirait même plutôt du 100 millisecondes. Donc pour quand le cache statique est utilisé, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Et donc en dessous, alors j'ai mis la courbe parce que c'est pas toujours zéro, mais voilà, vous voyez par exemple ici on est à 1 milliseconde. Browser cache, donc cache navigateur, 26 millisecondes. Là quand le cache du navigateur est utilisé, c'est vraiment toujours presque quasiment instantané. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment on voit bien la différence entre la courbe ici vert foncé et celle qui est un petit peu moins foncée. On a quasiment divisé par 2, voire par 3, le temps qu'on avait en version 7. Donc là, on a passé un nouveau niveau, un nouveau cap avec cette version 8. Vous comprenez maintenant mon enthousiasme pour cette version 8. On est quasiment, enfin, on est en dessous des 200 millisecondes, parce que j'ai pas envie de non plus de vous dire 100 millisecondes, mais on se rapproche de la vitesse d'un fichier statique. Et donc c'est vraiment, y a plus d'autres choix possibles, quoi. Sachez, avant de faire d'aller prolonger votre période de support ou d'aller prendre une licence pour Patch Cache Ultimate, qu'il y a aussi le module Speedpack, donc qui inclut Patch Cache Ultimate. Alors vous en faites pas, c'est exactement la même version, mais on ajoute de la compression WebP, donc pour réduire la taille des images. Il y a aussi du lazy loading et du nettoyage de base de données. Donc par contre, c'est à partir de PrestaShop 1.7.1. Si vous voulez aussi compléter la panoplie, vous pouvez brancher le service de CacheWarmer. Donc c'est un service de robot qui va venir parcourir votre site pour générer le cache. Comme ça, les visiteurs réels, si je puis dire, auront directement du cache. Ça va augmenter le hit rate, c'est-à-dire le taux de réussite de votre cache. Enfin, si vous n'avez pas encore choisi votre thème, sachez que j'ai développé le thème JPresta Origin, qui lui regroupe toutes les bonnes pratiques. Et donc qui prend en compte tous les core web vitals que recommande Google. Donc c'est inclus dans le thème, donc évidemment toujours dans la même thématique de rapidité. Et maintenant, si vous n'avez toujours pas fait votre choix, on va regarder un petit peu les fonctionnalités du module et voir un petit peu comment ça fonctionne pour la configuration, tout ça. Si ça vous fait un petit peu peur, vous rassurez-vous, pas besoin d'extension PHP particulière. Pas non plus besoin d'être un expert technicien. Je vous montre. Voilà, une fois que vous avez installé le module dans la page de configuration, vous allez avoir quelques étapes à suivre, dont celle de l'autoconfiguration, parce que vous n'avez pas besoin d'être un technicien. Quand on clique dessus, le module consulte le serveur pour configurer automatiquement tous les modules connus. Donc dans 95% des cas, cela suffit. Et donc après, vous avez juste quelques détails à vérifier et vous avez un lien pour pouvoir tester le module en mode test, c'est-à-dire que les autres visiteurs n'auront pas le cache. Ça permet de pouvoir tester même sur un site en production. Nous avons le site avec la page, enfin le petit bloc d'information. Donc ici, on nous indique le TTFB. Donc je vous rappelle, c'est celui qui est mesuré par le navigateur lui-même. Hein. Et donc, on voit bien ici, c'est le premier affichage, je n'ai pas de cache. Si je clique pour recharger la page, j'ai directement le cache du navigateur qui est utilisé. Et si je recharge la page, je vais demander au navigateur ici de ne pas prendre en compte le cache du navigateur. Je recharge. Et là, nous avons le cache statique. C'est-à-dire qu'il n'a pas chargé tout le moteur PrestaShop, il a directement servi la page qui était dans le cache. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais notre panier. Alors, je vais rajouter quelque chose au panier. Et comme ça, on va bien voir que le panier sera quand même rafraîchi. Donc, si je fais. Alors, je rafraîchis ici. Voilà, vous avez vu, le panier s'est rafraîchi. Et c'est comme ça que fonctionne le module. On a le cache de la page et on va aller rafraîchir les quelques blocs qui ont besoin d'être rafraîchis. Je vous montre ici. Vous pouvez, donc il y a l'autoconfiguration, mais vous pouvez aller manuellement sélectionner les modules qui ont besoin d'être affichés en mode dynamique, c'est-à-dire rafraîchis dans le navigateur de l'utilisateur. En cas de besoin, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes bloqué. Ici, vous avez le choix entre plusieurs systèmes de cache, mais évidemment, je vous recommande le PrestaShop statique.
Ici, vous pouvez sélectionner les temps d'expiration du cache de chaque type de page, par exemple la page d'accueil, page catégorie, les pages produits, etc. Vous avez un onglet statistique. Donc, par exemple, on a visité la home page en français. Donc, vous avez le taux de hit de la page, la dernière fois qu'il a été généré. Et en dessous, vous aurez la liste des contextes. Alors ici, on ne la voit pas. Voilà, on la voit maintenant. Donc j'ai un contexte donc qui est monnaie en euros pour un ordinateur avec un système de cash, de taxes, pardon. Donc là, on a du 20% français. Chose intéressante ici, vous aurez les statistiques de visite des bots afin d'identifier les contextes qui sont utilisés par les robots comme Google par exemple. Ça vous permettra de configurer le cache warmer en fonction de ces contextes afin que les moteurs de recherche puissent bénéficier du cache. Ici, vous avez un petit système de diagnostic pour vous aider à configurer PrestaShop pour que ce soit plus rapide. Ici, vous avez un petit système de performance, analyse de performance. Alors, du coup, maintenant, il est un petit peu moins pertinent puisque dans le dashboard, on a l'analyse du TTFB. Par contre, ici, c'est toujours pertinent. On a un système pour analyser les modules les plus lents. Ça peut vous aider à améliorer encore la vitesse pour déterminer s'il y a un module qui ralentit vraiment votre boutique. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune info. À bientôt!